the city of great people. Soyez les bienvenus dans la cité des grands. Hallelujah. Amen. There is nobody that is born great. Il n'y a personne qui soit né grand. We become great. Mais on devient grand. Our beginning as human beings on the earth are on the same level. Nos commencements en tant qu'êtres humains sur la terre sont pareils. It is the things that happens around us that determine the level we'll go to. Mais c'est les choses qui se passent autour de nous qui vont déterminer le niveau auquel nous allons arriver. And as we go on in life, it is our decision also that determines the level, the altitude that we will attain. Et aussi pendant que nous partons dans la vie, c'est notre décision qui va déterminer l'altitude que nous allons atteindre dans la vie. The attitude, our attitude will determine our altitude. Notre attitude va déterminer notre altitude. God is no respecter of person. Dieu ne fait pas exception de personne. He gives everybody equal. Il donne à equal tout le, opportunity. Il donne à tout le monde des opportunités égales. We serve a God of equal opportunity. Nous servons un Dieu d'opportunité égale. Don't look at yourself as if you are undermined. Ne te regarde pas toi-même en te sous-estimant. Even when you if you began and you began undermined. Et si tu as commencé et tu as commencé à être quelqu'un de sous-estimé. When you come to Christ. Quand tu viens en Christ, Christ brings everybody to the same level. Christ met tout le monde sur le même niveau. Whatever was not with you before. Quel que soit ce qui n'était pas avec toi au début. Or whatever you lacked before. Ou ce que soit ce when que you manquais, come to Christ, quand tu viens à Christ, God puts it back. Dieu le remet. So don't ever tell me. Alors ne me dis même pas du tout. That I have no opportunity. Que je n'ai pas d'opportunité. Christ has come to give everybody a chance to become somebody. Christ est venu donner à tout le monde une opportunité pour devenir quelqu'un dans la vie. Come on, say amen. Dis amen. That's why he didn't come in there. Jesus did not come and be born in the house of a king. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu, n'est pas né dans la maison d'un roi. Conceived in the womb of a peasant girl. Conçu dans les entrailles d'une paysanne. Hallelujah. But by the time he finished, mais jusqu'à ce qu'il finisse, 33 years and half old, 33 années demi, he has marked his world. Il a marqué son monde, and he has never stopped marking it. Et il n'a jamais cessé de le marquer. Let me tell you, child of God. Laisse-moi vous dire, enfant de Dieu. Hallelujah. Where you are today, là où tu es aujourd'hui, tomorrow, demain, the nation can hear about you. Les nations peuvent entendre parler de toi. Hallelujah. Your best is not in your past. Ton meilleur ne se trouve pas dans ton passé. Your best is still in your future. Mais ton meilleur est dans ton avenir. The devil is a liar. Le diable est un menteur. Don't let him deceive you that you cannot become somebody. Ne le laisse pas te tromper te disant que tu ne peux pas devenir quelqu'un. You can start as a slave. Tu peux commencer en tant qu'esclave. But you can end up and become the prime minister. Mais tu peux terminer en étant le premier God ministre. Can lift you and make you. Dieu peut te lever et faire and de toi. Do something with your life. Et faire quelque chose de ta vie. That is beyond your imagination. Qui est au-delà de ton imagination. The word of the Lord makes us to know. La parole de Dieu nous amène à savoir. He is able to do exceedingly. Il est capable de faire au-delà. Abundantly above. C'est all that we may ask or think. Ce qu'on peut demander ou penser. Because the power is inside parce you. Parce que le pouvoir est en toi. Jesus died. Jésus est mort. So that a non-entity can become somebody. Pour qu'une non-entité devienne quelqu'un dans la vie. It's not the government that is stopping you. Ce n'est pas le gouvernement qui t'arrête. Witches cannot stop you. Ni les sorciers. Satan cannot stop you. Satan même ne peut pas t'arrêter. Satan was watching. Satan regardait. In the garden. Dans le jardin. When God was blessing Adam. Quand Dieu bénissait Adam. When he planted the garden. Quand il a planté le jardin. He couldn't stop him. Il n'a pas pu l'arrêter. There is nothing that can stop you. Il n'y a rien qui puisse arrêter. If you do not them allow them to stop you. Si tu ne leur permets pas de t'arrêter. You can't be great in heaven. Tu ne peux pas être grand au ciel.
Everybody, when we go to heaven, will become same, the same thing. Tout le monde, quand va arriver au ciel, on deviendra les mêmes. The promise of your greatness, les promesses de ta and your prosperity, de ta prospérité, is for here and now. C'est pour ici et maintenant. Not when you die. Pas quand tu vas mourir. It's now. C'est maintenant. Come on, rise up from within you. Lève-toi au-dedans de toi. And do what you are meant to do. Et fais ce que tu es appelé become à faire. Become who you are supposed to become. Tu es celui que tu es censé the devenir. Devil is a liar. Le diable est un menteur. Côte d'Ivoire can't stop you. La Côte d'Ivoire ne peut pas t'arrêter. The president can't stop you. Le président ne peut pas t'arrêter. Army cannot stop you. L'armée ne peut pas t'arrêter. Sefa cannot stop you. Le Sefa ne peut pas t'arrêter. Church can't stop you. L'église ne peut pas only yourself can stop yourself. C'est toi-même qui peux toi-même make arrêter. Sure. Oh, come on, rassure somebody. Toi. Hallelujah. Hallelujah. That's why we are learning this month. C'est pourquoi dans ce mois. Hallelujah. How do you live a prosperous life? Comment est-ce qu'on peut vivre une vie prospère? That is what we are called to. C'est ce à quoi nous sommes appelés. That has been the will of God from the garden. Ça a été la volonté de Dieu depuis le jardin. Before he asked Adam to worship him. Avant même qu'il demande à Adam de l'adorer. When he has made him, when Adam became conscious of himself. Quand Adam est devenu conscient de qui il était. He said he became a living soul. Il dit la Bible, il est devenu une âme vivante. That means he became conscious of himself. Il a pris conscience. The first thing that God said. La première chose que Dieu a dit. You are blessed. Tu es béni. Be fruitful. Sois fécond. Multiply. Multiplier. Dominate. Dominer. Replenish the earth. Remplissez la terre. Hallelujah. Before he said, Abba Father. Avant même qu'il ne dise Abba Père. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. That's why. C'est pourquoi. You don't have to be a Christian to be prosperous. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour prospérer. Prospérer in the way of the world. Et prosper in the way of the world. Prospérer dans la manière du monde. But when you are a Christian. Mais quand tu es chrétien. The real sense of prosperity. Le vrai sens de la prospérité. Become apparent to you. Devient apparent pour toi. Hallelujah. Hallelujah. We lost it through Adam. On l'a perdu par Adam. When Adam sinned in the garden. Quand Adam a péché dans le jardin. Hallelujah. But Jesus came back. Mais Jésus est revenu. And gave it back to us. Et nous l'a redonné. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians 8, 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians 8, 9. For you know, car vous savez, the grace of our Lord Jesus Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. That though he was rich, qui pour vous s'est fait pauvre. Yet for your sake, pour vous, he became poor. Il est devenu pauvre. That you, afin que vous, c'est pas lui, not him. It's not him. Ce n'est pas lui. That you, mais pour que vous, through his poverty, par sa pauvreté, may become rich. Puisse devenir riche. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. Jesus did not need to be poor. Jésus n'avait pas besoin d'être pauvre. But he made himself poor mais for a purpose. Il s'est rendu pauvre pour un but. For your sake, à cause de toi, I'm not going to allow the sacrifice of Jesus to be in vain. Je ne permettrai pas le sacrifice de Jésus d'être en vain. The suffering of Jesus will not be in vain. La souffrance de Jésus ne serait pas en vain. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. In some places, dans certains endroits, there are some contention about a certain scripture. Il y a certaines discussions sur certaines écritures. 3 Jean 2. Hallelujah. What is it? Qu'est-ce que c'est? Amen. It was a letter that was written by a man called an elder called Jean. C'est une épître écrite par un ancien appelé Jean. He wrote it to one of his sons in the Lord. Il a écrit ça à un de ses fils dans le Seigneur. Hallelujah. He was going to encourage this guy. Il allait encourager ce jeune homme. And the Bible said the
At this time, John has become, they don't call him just John, they call him Elder John. Et maintenant, à ce temps-là, on n'appelait plus seulement Jean, mais on appelait Ancien Jean. They don't even call him Apostle John, they call him Elder John. On n'appelait même plus apôtre, mais on appelait l'Ancien Jean. Not because he was a deacon in the church. Pas parce qu'il était un diacre à l'église. But because of his age. Mais à cause de son âge. Because of the fact of his longevity in Christ. À cause de sa longévité en Christ. He was the last of the apostles. Il était le dernier des apôtres. When every one of them has died. Quand eux tous étaient morts. Alive. Il est resté vivant. So they don't just call him John. They call him. They give him a special title, Elder John. On ne l'appelait pas seulement Jean, mais on lui a donné un titre spécial, l'Ancien Jean. Hallelujah. And then he wrote to his son. Alors il a écrit à son fils. He said. Il a dit. I wish, je souhaite, in some translation, dans certaines traductions, he said, above all things, il dit au-dessus de tout, I wish, je souhaite, above all things, au-dessus de tout, that you prosper, que tu prospères, and you be in health, et que tu sois en bonne santé, as thy soul prospereth, comme prospère l'état de ton âme. Glory to God. Gloire à Dieu. Now, you see, vous voyez, When you are looking at scripture, quand vous regardez aux écritures, try to understand the context. Essayez de comprendre le contexte. Now, here, ici, before we got to verse 2. Avant d'arriver au verset 2, put on verse 1, please. Mettez le verset 1. He said, "The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in truth." L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. So this man was talking about truth. Alors cet homme-là parlait de la vérité. He was talking about the word. Il parlait de la parole. He was talking about spirituality. Il parlait de la spiritualité. He said, "I love you in truth." Il dit, je t'aime dans la vérité. Hallelujah. So he said the word of God is the foundation for our relationship. Il dit la parole de Dieu est la fondation de notre relation. But look at what he wrote. Mais regardez ce qu'il a écrit. He said, il dit, verse 2, verset 2, "Beloved, bien-aimé, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as thy soul prospers." Je souhaite au-dessus de tout que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Upon the foundation of our relationship of truth, sur la fondation de notre relation de vérité, in Christ, en Christ, look at my prayer for you. Regarde ma prière pour toi. Are you hearing me, sir? Est-ce que vous m'entendez? In other words, en d'autres mots, there is something missing in the life of this guy. Il y a quelque chose qui manquait dans la vie de ce jeune homme. He was walking in truth. Il marchait dans la vérité. But I see something missing. Mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Look at verse 3. Regardez le verset 3. He said, il dit, "For I rejoice greatly when the brethren came and testify of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth." J'ai été fort réjoui lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. This guy loves the Lord. Ce jeune homme-là, il aime le Seigneur. This guy Gaius, he loved the word. Ce jeune homme Gaius, il aime le Seigneur. He was living the truth. Il vivait la vérité. But he was not prospering. Mais il ne prospérait pas. Not because he didn't have money. Pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Not because he didn't love God. Pas parce qu'il n'aimait pas Dieu. But there's something missing. Mais il y avait quelque chose qui manquait. That's why he said, "Hey, c'est pourquoi il a dit, I have good news about you. J'ai I know you love the Lord. Je sais que tu aimes le I know you understand je the scripture. Que tu les but écritures. Above all, mais au-dessus de I tout, want you to prosper. Je souhaite que tu prospères. What does prosperity here mean? Qu'est-ce que la prospérité I veut want dire? You to be whole. Je veux que tu sois entier, complet. And there are many Christians today. Et il y a beaucoup de chrétiens they aujourd'hui. Love God. Ils aiment Dieu. Hallelujah. They walk in truth. Ils marchent dans la vérité. But they are not whole. Mais ils ne sont pas complets, ils ne sont pas total. Ils ne sont pas entiers. Tomorrow they are sick. Demain ils sont malades. Their children, they are not walking in the Lord. Leurs enfants ne marchent pas dans le Seigneur. Hallelujah. They can't pay their rent. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. They don't know how to pray. Ils ne savent pas comment prier.
They don't know what to do to get out of trouble. Ils ne savent pas que faire pour sortir des problèmes. They don't know how to stand in faith. Ils ne savent pas comment se tenir dans la foi. They are not whole. Ils ne sont pas entiers. But listen. Mais écoutez. The purpose of God for your life. Le but de Dieu pour ta vie. The vision of God for your life. La vision de Dieu pour ta vie. Can never be aborted. Ne peut jamais être avorté. Je n'ai pas compris quelqu'un qui va dire amen là. Je dis, la vision de Dieu pour ta vie ne serait pas avortée. Si tu es d'accord, lève les mains, crie amen fort. I want you to be whole. Je veux que tu sois entier. As your soul is prospering. Tout comme prospère l'état de ton âme. The soul of this guy was prospering. L'âme de ce jeune homme l'a prospéré. He was walking in truth. Il marchait dans la vérité. He loved the truth. Il aimait la vérité. He was helping the Christians. Il aidait les chrétiens. He was giving. Il donnait. But he was not whole. Mais il n'était pas entier. Wherever anything is missing, quel que soit là où il y a quelque chose qui manque, from today, à partir d'aujourd'hui, receive it back in your life. Reçois cette chose-là dans ta vie. So prosperity is more than just money. Alors la prospérité c'est plus que l'argent. We are talking about you being whole. On parle de toi, du fait que tu sois entier. You buy your car. Tu achètes ta voiture. Hallelujah. You don't have problem to maintain it. Tu n'as pas de problème pour les réparations. Glory to God. Gloire à Dieu. You buy your phone. Tu achètes ton téléphone. You don't have problem of putting credit in it. Tu n'as pas de problème d'unité. You get married. Tu te maries. You have no problem of sterility. Tu n'as pas de problème de stérilité. You give back to children. Tu donnes naissance à des enfants. Your children are not rebellious. Les enfants ne sont pas rebelles. I want you to be whole, to prosper. J'aimerais que tu prospères, que tu sois entier. Hallelujah. Hallelujah. And we are going to talk about riches later. Et plus tard, nous parlerons de la richesse. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. And I want you to know something. Et j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Jesus paid for it. Jésus a payé le prix de ça. When God made Adam in the garden, He gave him everything. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin, lui a tout donné. Let me add this. Laissez-moi ajouter including ceci. Including himself. Y compris lui-même. God gave himself everything to Adam, including himself. Dieu a tout donné à Adam et lui-même Dieu s'est donné à Adam. He came to visit Adam every day. Il venait visiter Adam chaque jour. To commune with him. Pour communier avec lui. He gave himself. Adam did not know how to pray. Adam ne savait pas comment prier. But God visited him. Mais Dieu l'a visité. He was whole. Il était entier. That was what Jesus came to do for us. C'est ce que Jésus est venu faire pour nous. To restore us back to the garden. Pour nous restaurer au jardin. The place of pleasure. Le lieu de délices. The place of communion. Le lieu de communion. The place of wholeness. Le lieu de la spiritualité, physical, spirituel, physique, and soulishly. Et dans la chair, dans l'âme, pardon. Come on, somebody shout amen. Quelqu'un dit amen. Hallelujah. Come on, shout amen. Dis amen. Hallelujah. So. When Jesus quand Jésus died, est mort, he died il est mort, so that everything that we lost, pour que tout ce que nous avons perdu, we can gain back. Nous puissions les retrouver, les récupérer, les reprendre. Are you hearing me, sir? Est-ce que vous m'entendez? So Jesus died, alors Jésus est mort, so that whatever was lost in the garden, tout ce qui était perdu dans le jardin, can be restored, puisse être restauré. That's why he said, it is by grace. C'est pourquoi il dit c'est par you la grâce. You know the grace of our Lord Jesus Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ. You didn't need to die as a sinner. Tu n'as pas besoin de mourir en tant que pécheur. That is a cause of our spirituality. Ça c'est le coup de notre spiritualité. He died as a sinner. Il est mort en tant que pécheur. He gave us everything. Il nous a tout donné. Come on, say amen. Dis amen. Come on, say amen. Dis amen. Hallelujah. So, when you get born again, alors quand tu es né de nouveau, everything that concerns life and godliness is yours. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété sont à toi. I said this during the week. Je l'ai dit pendant la semaine. It's like somebody who bought a ticket. C'est comme quelqu'un qui a acheté un billet. You go to Air Côte d'Ivoire. Tu vas à Air Côte d'Ivoire. You say I'm going to New York. Tu dis je vais à New York. They gave you a ticket. On te donne le billet. You buy your ticket. Tu achètes ton billet. Hallelujah.
So when you get when you get on the flight, alors quand tu montes dans l'avion, you don't even know how to get to New York. Tu ne sais même pas comment arriver à New York. But the pilot, mais le pilote, make sure that you will get there. Se rassure que toi tu arrives là-bas. All you have to do, tout ce que tu dois faire, sit down. C'est de t'asseoir. Hallelujah. Hallelujah. While you are on the flight, pendant que tu es dans le vol, when you are thirsty, quand tu as soif, you call the steward. Tu appelles l'hôtesse. I am thirsty. J'ai soif. They give you water. On te donne de l'eau. When you are hungry, quand tu as faim, you call the steward. Tu appelles l'hôtesse. I'm hungry. J'ai faim. They give you the food. On te donne la nourriture. Hallelujah. Hallelujah. If it's your first time, si c'est ta première fois, you have never been on a plane before, tu n'as jamais été dans un avion, and you feel like you want to go to the little place. Et c'est comme si tu as envie d'aller au petit coin. Hallelujah. You ask. Tu demandes. I want to. Je veux. They show you the toilet. On te montre les toilettes. You are totally taken care of. Tu en prends, totalement soin de toi. Because you bought the ticket. Parce que tu as payé le billet. The day you pay the ticket of salvation. Le jour tu as payé le pied du salut. The day you accepted Jesus as your Lord and Savior. Le jour tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur. You enter into the plane of salvation. Tu es entré dans l'avion du salut. And God is taking you to your destination. Et Dieu t'amène à ta destination. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut crier? Hallelujah! That's why c'est pourquoi I am joyful. Je suis heureux. Even up till now. Même jusqu'à maintenant. Many tens of years after salvation. Plusieurs années après le salut. I am still excited. Je suis encore tout when ça I se think, quand je pense. I am born again. Je suis né de Jesus nouveau. Died for Jésus me. Est mort pour moi. Jesus went to hell for Jésus me. Est allé à l'enfer He pour moi. Paid for my sins. Il a payé pour He mes rose péchés. From the Il dead. A ressuscité des morts. He made me to sit Il me fait asseoir in the heavenly place dans le lieu céleste. In himself. En lui. I am excited. Je suis enthousiasmé. Is anybody excited to be born again? Levez la main, crie alléluia. Crie alléluia. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. I say glory to Jesus. Je dis gloire à Jésus. Amen. But the guy who bought his ticket, mais celui qui a acheté le billet, can decide not to eat. Peut décider de ne pas manger. Nobody will force him. Personne ne le forcera à le faire. He may decide not to drink. Il peut décider de ne pas boire. Nobody will force him. Et personne ne le forcera. He may decide not to go to toilet. Il peut décider non plus de ne pas aller aux toilettes. Nobody will force him. Et personne ne le forcera. But it's included in the ticket. Mais c'est compris dans le billet qu'il a payé. That means, ça veut dire, whatever you gain in life, tout ce que tu gagnes dans la vie, as a child of God, en tant qu'enfant de Dieu, you determine it. Tu sais toi qui le détermine. By your decision, par ta décision, you make your choice. Tu fais le choix. I didn't understand this before. Je ne comprenais pas ça avant. I was of the old school. J'étais de l'ancienne école. Attends Dieu. Attends Dieu. Dieu va le faire. Attends Dieu. Wait for God. God will do it. Attends Dieu. Wait for God. Dieu va le faire. Attends God Dieu. God will do it. Wait for God. Je gêné 40 jours. Attendez. I was attends Dieu. 40 days waiting for God. Waiting for God. 30 jours. On attendait. 30 days. Ici, on a gêné 100 jours. Here, attendez Dieu. Here, we fasted 100 days. We're waiting for God. Combien de personnes étaient là pendant ce moment-là? 100 jours. 100 days. Hallelujah. But I know. But may you say. We are not waiting for God. On n'attend pas Dieu. God is waiting for us. Mais c'est plutôt Dieu qui nous attend. When are you going to begin to enjoy all that I prepared for you? Quand est-ce que tu commenceras à te réjouir de tout ce que j'ai préparé pour toi? When are you going to say to that sickness, you have no right in my body? Jesus paid price for my healing. Quand est-ce que tu diras cette maladie, tu n'as aucun droit de rester dans ce corps parce que Jésus a payé le prix pour ma guérison? When are you going to say poverty? Quand est-ce que tu diras pauvreté? You kill my father. Tu as tué mon père. You kill my mother. Tu as tué ma mère. You're not going to kill me. Oh! Toi, tu ne me tueras pas. No! No! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui peut crier? Oui! Yet, is there somebody can shout? Yeah! Hallelujah! Make up your mind. Prends la décision. I told you, je vous ai dit, I'm not the perfect of men. Je ne suis pas le parfait des hommes.
But I know me. Mais je me connais. Follow Adebayo. Suis Adebayo. Hallelujah. As I follow Christ. Pendant que je suis you Christ, won't miss heaven. Tu ne vas pas rater le ciel. I'm not boasting. Je ne suis pas en train de me vanter. With all humility. Avec toute humilité. I haven't gone this far in Christ to mess up my destiny. Je ne suis pas allé venir aussi loin avec Christ et puis faire n'importe quoi de ma vie. Now, so the problem is not with the provider. Alors le problème ne se trouve pas au niveau du pourvoyeur. The problem is not with Jesus. It's not with the Father. Le problème n'est pas au niveau de Jésus ni du Père. The problem is you. Mais le problème c'est à ton your niveau. Your heart, ton cœur, and your attitude, et ton attitude, your decision, ta décision. Glory to God. Gloire à Dieu. One daughter of mine was giving me a testimony. Et une fois, elle me donnait un témoignage. Hallelujah. She said she was in a plane. Elle était dans un avion. With a man. Avec un homme. The man must be very, very important to the airline. Et le monsieur devait être quelqu'un de très important dans la compagnie aérienne. Hallelujah. So he was calling for whiskey. Alors il a demandé un whisky. He went, blang, blang, blang. When he rang the bell, quand il a fait sonner, the stewards were wrong. L'hôtesse courait. What, sir, can we help you? Est-ce qu'on peut vous aider, monsieur? Sir, whiskey. Il dit whiskey. They bring you whiskey. On l'amène whiskey. He drinks. Il boit. After 30 minutes. Après 30 minutes. Clink, 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 clink. Il a pu. Hey, can we help you? Est-ce qu'on peut vous aider? Say whiskey. Whiskey. They gave him whiskey. On lui donne whiskey. Clink, 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 clink. They wrong, they say. Can we help you? Est-ce qu'on vous aide? Say whiskey. Il dit whiskey. They gave him whiskey. On lui donne whiskey. But this time, à ce temps-là, he was beginning to lose it. Il commençait à maintenant perdre le réseau. Hallelujah. Clink, 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 clink. Yes, sir. Oui, monsieur. Can we help you? Est-ce qu'on peut vous aider? Say whiskey. Il dit whiskey. Say no, monsieur. On dit monsieur. We can't give you whiskey anymore. On peut plus te donner whiskey encore. You are stretching it too far. Tu as trop tiré dessus. Hallelujah. You are not in this plane alone. Tu n'es pas seul dans cet avion. If you begin to mess up, who will carry you? Si tu commences à faire des dégâts, qui va te transporter? Si tu commences à vomir, qui va essuyer ça? He is misusing what he was given. Lui, il abusait de ce qu'on lui donnait. Are you hearing me, sir? Est-ce que vous m'entendez? Hallelujah. But the right is for everybody. Mais le droit est pour tout le monde. So now the problem is not with the provider. Alors le problème n'est pas au niveau du pourvoyeur. So how do I live a prosperous maintenant, life as a child of God? Comment est-ce que je peux vivre une vie prospère en tant qu'enfant de Dieu? That's the question. C'est ça la question. How do I live a prosperous life as a child of God? Comment je peux vivre une vie prospère en tant qu'enfant de Dieu? Prosperity does not mean having money alone. La prospérité ne veut pas seulement dire avoir l'argent. What is prosperity mais c'est quoi la prospérité? According to the New Testament, selon le Nouveau Testament, the prosperity is having a life that is whole. La prospérité c'est avoir une vie entière. Complete. Une vie complète. Nothing missing. Dans laquelle il n'y a rien qui manque. And nothing is broken. Et qu'il n'y a rien qui soit brisé. Nothing is missing, nothing is broken. Il n'y a rien qui manque et il n'y a rien qui est brisé. That means you may not have 10 million in your bank. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir 10 millions dans ton compte. And you have besoin de 5 million. Et tu as besoin de 5 millions. Amen. You need 10 million. Et tu as besoin de 10 millions. Hallelujah. Amen. Prosperous life. La vie prospère. You know what to do to get the 10 million. Tu sais ce que tu dois faire pour avoir les 10 millions. As a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. Are you hearing me, sir? Est-ce que vous m'entendez? We are going to land that this month. Nous allons apprendre ça dans ce mois. If we are going to go into December with it. On va aller jusqu'en décembre avec.